J'ai senti mes dames du congélateur, donc je les démoule. Tu vas en manger, toi? Oui, mais je veux faire la peinture du mien. Chouquette est revenue, vous l'entendez, hein? Alors, voyez, il y a des petites imperfections, c'est normal. On va les masquer avec. Alors, vous avez deux solutions. Ou vous faites un nappage. Donc, je vais mettre 125 g de chocolat blanc dans un récipient eau. Moi, j'ai pris un pichet. Après, vous pouvez le mettre dans ce que vous voulez tant que c'est eau. Comme ceci. Je prends une casserole. Dans un bol d'eau froide, je vais mettre 8 g de gélatine. Dans une casserole, je mets 60 g d'eau, 117 g de sucre en poudre et 117 g de sirop de glucose. Je vais les mettre sur le gaz à chauffer à 103 degrés. Donc, je le fais chauffer. Quand c'est chauffé, je vous montre. Quand mon mélange est à 103 degrés, j'ajoute 70 g de lait concentré. Alors, c'est clair que c'est très, 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 très sucré, hein. Si vous voulez pas trop de sucre, peut-être vaut-il mieux colorer votre crème plutôt que faire un nappage. Maintenant, je vais verser donc mon mélange sur le chocolat blanc. Alors, surtout, vous ne sortez pas votre mixeur, vous les laissez bien dedans. Je vais ajouter quelques gouttes de colorant rouge et je changerai, enfin, j'en rajouterai au fur et à mesure s'il y en a besoin. Je prends la gélatine, je les sors entre mes mains et vous la mettez directement dans le mélange. Vous tournez pour mélanger. Donc, vous voyez en fait qu'il n'y a pas trop de bulles, hein, donc ça va aller. J'ai mis mon thermomètre à l'intérieur de mon pichet et quand mon mélange sera à 30 degrés, je garnirai. Ou vous le colorez avec un pistolet à peinture. Alors moi j'en ai un, je vais vous le faire voir. C'est Chouquette qui me l'a offert. Alors j'ai eu ma machine à pain en avance et j'ai eu celui-là en retard. Mais bon, la pauvre, elle fait pas comme elle veut. Elle vient juste de revenir là, donc elle me l'a offert. Donc, pour le pistolet à peinture, je vais installer un papier. Alors, vous voyez, il a déjà servi, hein. Je vais mettre une grille comme ça pour éviter de tout crépir mon mur. Je mets un papier d'alu, c'est juste pour éviter que mon gâteau soit en contact avec le papier qui a traîné un peu n'importe où. Alors, je mets un dôme comme ceci. Alors, c'est un appareil qui se présente comme ceci. Vous avez un crayon. Le tuyau. Voilà, voilà ce que j'ai offert avec le cadeau plein de colorants pour qu'elle puisse vous faire encore plus de jolies recettes colorées. Donc je pense qu'elle va s'amuser. Du Il y a de doré, de l'or, de l'or. l'argent. Alors, je mets du colorant dans la machine. J'ai mis du colorant, voyez, dedans. Maintenant, il va y avoir un peu de bruit, mais c'est normal, hein, parce que c'est une machine quand même, donc ça fait un peu de bruit. C'est un moteur, c'est un compresseur. Donc, je vais la mettre en route. Et je vais appuyer là-dessus. Voyez, oh, ça va être joli cette histoire. Tu veux que je te rajoute du liquide? On va faire travail d'équipe à deux. Donc, je vais le tourner. Attends. C'est un premier test, alors. Oui, c'est le début, hein, parce que je viens de la voir. Alors, l'inconvénient par rapport au nappage, c'est que vous voyez, on voit quand même encore les petits défauts. Donc c'est le reproche que je lui ferai. Mais bon, c'est un début, c'est un test. Donc voici ce que ça donne. Ensuite, j'ai décoré avec un peu de reste de crème. Vous voyez comme ceci. Voilà, ça fait une petite déco sympa. Et si vous voulez cacher la petite collerette là qui se fait, eh bien vous pouvez toujours mettre un peu de crème autour. Maintenant, je vais les laisser décongeler au réfrigérateur. Et donc, on va se régaler ce midi pour le dessert. Et si cette petite vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.